Alors, je suis Margriet et je viens d'origine des Pays-Bas. Je me suis installée ici déjà 6 ans et demi, en Auvergne. En fait, en septembre 2007, nous avons pris 1 mois de vacances pour essayer de trouver pour nous installer en France, dans un endroit où c'est bien pour faire du vélo, vélo de route et VTT. Nous sommes commencés en Auvergne. Ça nous a bien plu, mais nous sommes allés un petit peu plus dans le sud et un soir nous avons dit mais en fait nous allons annuler tous les autres rendez-vous que nous avons prévus pendant les vacances dans les autres régions pour retourner en Auvergne. Nous avons choisi de nous installer ici et nous n'avons aucun regret. Alors, ils ont créé à partir du mi-juin jusqu'au 26 septembre. Tous les jours, un autre col sera fermé le matin, en disant que le col Croix-Saint-Robert sera fermé le lundi matin, le col de Geneste le mardi, et le col dans le Livre-Droit le mercredi, et le jeudi, le col de Pandordange. Et là, en fait, il est fermé, sauf pour les cyclistes et les gens qui habitent autour du col. Je pense que c'est très bien, c'est une super publicité pour le massif du Sancy, mais aussi pour le Livre d'Avray, en fait pour l'Auvergne en total. Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui partent toujours dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais en fait ici, je trouve pour le cyclisme, c'est idéal parce qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de petites routes avec pas de circulation ou pas beaucoup de circulation. Et on peut faire de petites sorties et de longues sorties autour du massif, c'est de vrais cols. Un petit mot en hollandais avant la descente ? Tot ziens in de Auvergne, waar het leven zeer goed is. Et ça veut dire? Alors, au revoir en Auvergne, où la vie est très belle.